Ok, on revient par là. Oui, 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 oui. Ok, on le fait changer de line. Ça, c'est pas mal. Non. Mais il fait quoi, le golem? Mais c'est... What the fuck? Et salut à toutes les truites et truitesses. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale, les amis. Comme vous le savez, le clan battle, le 2v2 est de retour et je vais en profiter pour faire une vidéo sur ce thème, mais pas une vidéo de vidéo classique. Comme vous le voyez actuellement, je suis en visite dans le clan Team Truit 3 et je me suis dit quoi de mieux que d'aller les troller, les amis. On va les troll tout simplement avec des decks what the fuck. Alors le premier qui est un deck full sort, comme vous le voyez avec le cimetière, le petit miroir, on va voir le gel, la roquette, donc du full sort. Mes alliés vont rien comprendre quand ils vont voir la decklist, ils vont se dire what the fuck. Au début ils vont être contents, ils vont penser qu'ils vont jouer avec moi en mode normal, mais en fait non, pas du tout. Et ensuite on les trollera avec un autre deck basé sur la tornade. On va grouper les unités et derrière ensuite claquer du bourreau, du bouliste, du dragon T2 pour vraiment faire du dégât de zone. D'ailleurs ce que je me disais, tiens, un petit miroir en plus serait plus intéressant que cette Valkyrie pour pouvoir dupliquer ce miroir. Voilà donc pour les deux decks. N'hésitez pas à me donner, tiens, des idées de decks troll qui pourraient être joués comme ça dans cette série 2v2 troll avec les clans. Je pourrais me balader de clan en clan sans qu'ils sachent un peu que je suis là en mode troll, parce que je ferai aussi des vrais games pour me masquer un petit peu. Je pense que ça pourrait être très très marrant, donc faites-moi péter les idées et lâchez-moi un maximum de pouces bleus si vous kiffez cette idée et que vous voulez voir un épisode 2 venir. Donc voilà le programme, juste avant on va s'ouvrir ces petits coffres de type merguez. Pourquoi pas drop une petite légendaire, pas piquer des hannetons, ça ferait plaisir. On commence malheureusement avec 99 pièces, une cabane de gobelins, 12 mortiers. Ok, on enchaîne ici, petit coffre en argent, 84 pièces, une boule de feu et 12 canons. Ici le petit coffre en or, allez Francis, 260 des pièces, 5 Tesla, 10 mouches, 21. Oh, ça c'est bon, 5 sorts de soie. Bientôt le sort de soie niveau 8. Et ça, je dis oui, monsieur. Bon, bah, un petit coffre à coucou, il me reste que ça, Francis. C'est parti, let's go. 634 pièces, 3 gemmes, 18 hordes de gargouille, 25 chevaliers, 31 flèches. Et malheureusement, on terminera avec 8 TD. On n'a pas eu droit au bonheur. Le shop, ça va être la petite pépite pour la fin. Je vais leur dire coucou. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. A few moments later. Ok les amis, on est parti du coup pour ce combat troll. Regardez, je les ai chauffés sur le chat avec du coucou tout le monde. Vous êtes chaud pour du 2v2, je suis chaud pour masser du litchi. Regardez, ils sont tout excités. On va commencer avec qui? Bah Enzo, hein. Enzo, vous savez quoi, on va baptiser Enzo. On va prendre le deck full sort pour commencer avec Enzo. C'est parti, allez, une petite game avec notre ami Enzo. Derrière, on trollera quelqu'un d'autre. Ok, ouh, il joue Molos, Ballon Gel. Ok, ça va être chaud. J'ai pas de troupe, Francis. Je n'ai pas de troupe, Francis. Je pars sur une roquette, j'ai que ça. Bûche ici. Ok, il a déposé un gang de gobelins, ça c'est dur pour moi. Ok, il envoie tout de suite ici les petites mouches. Ouh là là. Bon, j'ai un gel. On voit des flèches, ça c'est bien. Ok, il drop les mouches dessus, c'est très bien. La tornade ici, comme vous le voyez en défense. On est chaud les gars, on est chaud, vas-y. Attaque, j'envoie mon cimetière. Oh, go, 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 go. J'ai le gel. J'ai le gel, Francis. Oh non. Oh, double gel. Mais ça passe pas. Terrifiant. On arrive à gratter quand même. Faut savoir que moi, au sort après derrière, je peux envoyer du loin. Ah, c'est dommage, ce petit sorcier de feu, j'aurais pu le foudrer. On va lui envoyer une boule de feu. Boum. Et ça tombe. On va lui dire tac. Je vais lui dire bien joué à mon allié. On va voir s'il réagit. Ok, Molos. Molos. Il est concentré. Hein. Ok, il envoie le Molos fond de map. Ok. Ouh, ça c'est énervé. Hein. Je vais roquette là. On va choper le golem et le molosse. C'est pas dégueu. Ok, je chope que le golem. Ok, on revient par là. Oui, 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 oui. Ok, on le fait changer de line. Ça c'est pas mal. Non. Mais il fait quoi le golem? Mais c'est... What the fuck? Le golem qui continue tout droit, c'est du n'importe quoi les amis. Je suis scandalisé par ce qui vient de se passer.
Ok, un gel là-bas qui sert absolument à rien. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Le troll qui passe pas. Oh, maman, boule de feu ici. Ah. On recule tout ça. Allez, on regroupe tout ça là. Ça dégage. Ok, les deux tours du roi, il drop une méga en plus. On s'en sort. Une couronne à une couronne, ça va jouer sur le temps extra. Je lui montre mon cimetière. Ok, go. J'envoie une bûche en pré-shot. J'ai le gel. J'ai le gel. Le gel, on le lâche maintenant. Allez, allez. Le cimetière qui fait pas mal de dégâts, les amis. Le zap qui a été envoyé, on a encore le molosse qui est sur place. Qu'est-ce que je peux faire, la boule de feu, hein? Là, on donne tout, hein. Ça, je peux tout bouger, là. Je peux tout bouger. Ça dégage. Allez, faut gagner là-haut, là. Moi, je peux pas faire plus, Francis. Je peux essayer de faire ça. Je peux essayer de faire ça. Allez, on dégale tout. Oh non, 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 non. Non. La bûche. Ah, 1628 PV. Fuck. Alors on lui a mis les bonhommes qui plaisent, regardez, il répond, le mec choqué, il comprend pas ce qui s'est passé. On va passer sur l'autre deck, j'ai prévu un autre deck troll. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre du clan? La légende, tiens, la légende je pense qu'il va accepter la directe, hein. Je le connais. Voilà, la légende, il a accepté, enfin je le connais, je m'en doutais qu'il allait accepter direct vu que je l'ai chauffé. Ok, il nous joue du golem, oh c'est pas mal ça. Donc il a pas encore vu mon deck, il va le comprendre. Très rapidement le combo, il dit tout de suite bien joué. Mais non Francis, sois pas défaitiste, t'inquiète, on va faire le taf. Celle-ci les gars, je vais tout donner, on va la gagner. Par contre, je sais pas si vous avez vu le bug, c'est un truc chelou hein, qui s'est passé tout à l'heure à gauche. Non non non, ne fais rien Francis. Ne fais rien, putain j'ai mal placé mon bourreau. Je vais mettre un sorcier de feu là. Y'a pas besoin d'envoyer la bûche ici, je pense. Ok. On va le reculer sur la tour. On pack tout. Regardez le sorcier de feu. Oh, le sorcier de feu qui a tout nettoyé. Harry Potter est un génie. Le golem qui explose sous tour et ça fait énormément de dégâts. Waouh. Tu vois Francis, la légende. Je lui mets les petites crottes avec. Oh, c'est pas mal. Ah, dommage, ça suffira pas. Non, pas besoin. Oh, il a droppé un gang de gobelins. C'est dommage, ça. Ok, il envoie tout de suite un mineur. Les flèches, aïe. Non, il n'y a pas besoin. Ouf, ok, ah non. On va pas prendre la tour, finalement, un bouliste. Je lui montre un bouliste. Je lui montre un bouliste. Oh. Là, il y a beaucoup, là. Non, non, je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça. On a la tornade. Oh. Je sais pas si je prends le cochon. On va mettre les petits esprits de feu. Pour essayer de défendre ce cochon. Ok, 780 PV. Bon, on a pris une tour. On a pris beaucoup de dégâts sur l'autre. On s'en sort, les amis. On est en train de tenir le coup. Allez, Francis. Faut aller à gauche maintenant. Faut aller à gauche. Je lui montre. Faut aller à gauche. Non, non. Merde. C'était pas ce que je voulais lui dire. Ok, on va partir sur ça. Ok, il envoie des flèches. C'est clairement le désespoir quand on voit des flèches comme ça. Ok, le bourreau ici qui va nettoyer 7. Fournaise, on a une belle faute de la part de l'adversaire. Tout de suite ici on va partir sur un sorcier. Ouais non, c'était pas le bon choix. Là, il faut qu'il nettoie un peu hein. On va drop un bouliste ici. Voilà, la bonne tornade là. Et ça passe pas. Oh, la tour qui tombe. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait Francis? Ok, il envoie une grosse offensive. Oh là là, ici la bonne tombstone, on a le boule. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. C'est une... Il panique. Notre ami panique. Ok, le gang de gobelins ici, c'est pas mal. Oh, il y a le cochon par-dessus. Il faut la tornade, je l'ai pas. Je l'ai pas la tornade. Il faut la tornade là, les amis. Il faut la tornade, on décale tout. Et ça survit. 11 PV, non, ça va pas survivre, la méga. Oh, la foudre. Et c'est le GG. 2 défaites. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi, est-ce que vous aimeriez... Est-ce que vous aimeriez, je vais y arriver, revoir des deck trolls comme ça. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça marrant. Alors, faudra que je trouve d'autres thèmes. Donnez-moi en commentaire, tiens, des idées de deck trolls que je pourrais faire. Et, bah, quant à moi, bah, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu.
Bisous. You should go feather.